Nalingina mona vongole langa lola Nalingina mona natomoli mabo sele langa bikamo Nalingina mona vongole langa lola Yesu nanga natomoli mabo yawe sele langa bikamo nalwe Nalingina mona nalilipe mingi natomoli mabo sele langa bikamo Nalingina mona fongole langa lola Fongole maboko Natomoli maboko Nalinga bikamwa Salelanga bikamwa Nalingina mona Nalingina mona Yesu Yesu yaboma Fongole langa lola Natomoli maboko Yesu Yesu Salelanga bikamwa Nalingina mona Nalingina mona Sitoplo fongole langa lola Salelanga bikamwa Nalingina mona Salelanga lola Salelanga lola Tomboli maboko Tomboli maboko Salelanga bikamwa Salelanga bikamwa Nalingina mona Merci Seigneur. Lèvons-nous dans la présence de Dieu, nous allons prier. Lève-toi dans la présence de Dieu. Nous sommes tous debout dans la présence de Dieu. Alors que tu es debout, commence à mettre les deux mains ensemble et acclamer pour Jéhovah Sabaoth. Commence à 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 acclamer pour Jéhovah Sabaoth. Amen. Regardez-moi un moment. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Je vais l'enseigner vendredi prochain, mais j'aimerais le dire aujourd'hui. Lorsque on célèbre Dieu, on adore Dieu, ou même on invoque Dieu, en utilisant l'un de ses noms en hébreu, nous connaissons tous ici, Jéhovah Shalom, c'est l'Éternel est ma paix. Jéhovah Tchikenoum, c'est ma justice. Jéhovah Jiré, c'est celui qui pourvoit. Jéhovah Rapha, c'est Jéhovah Sabaoth, c'est. Alors, vous devez savoir ceci. Il y a des noms de Dieu qui sont venus de la terre et des noms de Dieu qui sont venus du ciel. Certains noms de Dieu viennent de la terre parce que ce sont des hommes qui ont appelé Dieu de cette manière-là ou qui ont appelé le lieu où Dieu les a visités en ce nom-là. Amen, amen. Il appela ce lieu le nom d'eux. Il appela l'Éternel au nom d'eux. Quelqu'un me comprend? Donc, ce n'est pas Dieu qui a donné ça aux hommes. Ce sont des hommes qui ont dit non. Gédéon allait mourir, il a réalisé qu'il a rencontré Dieu. Il dit, je ne suis pas mort. Non, j'ai la paix. Jéhovah Shalom. C'était la conclusion de l'attitude de Dieu envers lui. Mais il y a des noms de Dieu qui ne viennent pas de la terre, qui viennent du ciel. Au ciel, les anges disent, saint, saint, saint. Et l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth ne vient pas d'un homme, mais vient des anges. Ça c'est vendredi prochain. Yahweh Sabaoth ne vient pas d'un homme, ne vient pas du temps, mais ça vient de l'éternité.
Kabaso badayase. Ça vient de l'éternité. Les anges disent l'éternel Dieu des armées. Genèse 2, verset 1. Oh, je sens l'inspiration ici. Genèse 2, verset 1. C'est ainsi que furent accomplies l'œuvre de Dieu qui créa les cieux et la terre, ainsi que toutes leurs armées. Les cieux ont des armées, la terre a des armées, la mer a des armées, sous la terre il y a des armées. Et l'éternel que nous prions, il est l'éternel Dieu des armées. On appelle les armées en anglais, je pense, c'est le terme que j'aime bien, the host of heaven. Donc celui qui est à la tête des armées ou des habitants qu'il y a dans les cieux. Quand tu dis Jéhovah Sabaoth, tu engages Dieu dans une dimension très élevée. Et dis amen bien là où tu es. Ce soir, je n'invoque pas Jéhovah Rapha dans ta vie. J'invoque l'éternel Dieu des armées. Ce soir, je n'invoque pas El Shaddai dans ta vie. J'invoque l'éternel Dieu des armées. Ce soir, je n'invoque pas Jéhovah Tchikenoum dans ta vie. J'invoque l'éternel Dieu des armées. Que Dieu ne se vête pas comme un sacrificateur. Que Dieu ne soit pas vêtu comme un bon berger. Que Dieu se revêtisse comme un chef d'armée qui va en guerre. Et Dieu va en guerre pour gagner. Et je déclare sur toi ce soir, je décrète et déclare sur toi ce soir que l'éternel des armées te donne la victoire. Sur les champs de bataille ce soir, un seul va rester debout, c'est toi. Tu n'as pas dit amen. Sur les champs de bataille ce soir, un seul va rester debout, c'est toi. Tous tes ennemis vont tomber et tu marcheras sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Lève la main, dit Jéhovah Sabaoth. Aujourd'hui c'est Jéhovah Sabaoth. Il va entrer dans tes combats. Tes combats vont devenir ses combats. Tes batailles vont devenir ses batailles. Et il va te dire, garde silence et moi je combats pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas prier ce soir, il y a des dégâts et des ravages qui auront lieu dans le monde spirituel. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Qui prie en langue ici? Tu pries en langue? Ok. Tous ceux qui ne prient pas en langue, levez les mains aussi. N'aie pas honte, il n'y a pas de honte. D'accord. Ok. Vous allez prier en langue avant le culte que se termine. Vous allez être baptisés ici. Alors, nous tous qui prions en langue, tu vas lever la voix et commencer à vibrer en langue. Quelqu'un au micro. Tu vas commencer à vibrer en langue pendant 3 minutes. C'est parti. Nous battons les mains et nous prions en langue. La pladache. Les produits. Zegara varidata. Pera vantala manere boshaya. Alima Gereval, Verepaidego, Le Mainevate, Le Padigosa, Le Talamanelebo, Imanelebo Saya, A Talavaradogo, I Paidega, Santo la Manelebo Saya, La Padigo Saya, Le Vandeos, Maratu Tazavoku, Teriparadezu, Rapande Kute, Etalamandeku, Rapadaganto, Etalamandabasi, Italagodese, Ekantalamanebo Saya, Eka Kaka Kaka Kaka. Tout ta compte s'en va à tout gager. Et compte à la basse. Dans beaucoup de séqué. Et il y a quand à la badefi. Il quand à la babochaya. La quand à la basse. Les pas de go. Vite à la vaha. Pour téléverade. Quintou la bassaya. Et taka. Tout ta ha. Si parade à babochaya. Mais vi parade à bosse. Pédiata. 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 L'unta ha va zite le rocher. L'un savaria quand à la badebe. L'un terebe de bossia. Veria papapa, veria papapa, veria papapa, sunta, pega, tuntereha, 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 sunta kantu lepe, sunta la kutule, veria talama nebosa, eke dole benebos, imani la basa, etalama mamo, etalama mamo, etalama mamo, etalama mamo, dinebosa, dinebosa, eka kaka kaka kaka, etalama nebosa.
Lève la main droite avec moi, déclare dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans la mer, dans ma nation, dans ma nation, dans ma maison, dans ma maison, dans mon corps, dans mon corps, Jésus-Christ, Jésus-Christ, et Seigneur, et Seigneur, je le crois dans mon cœur, je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche, je le confesse de ma bouche, il en était ainsi, il en était ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi, et il en sera ainsi, et il en sera pour des siècles de siècles, pour des siècles de siècles. Dis avec moi, amen, amen. Ovation, acclamation pour Jésus, le roi des rois. 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 Des cris de victoire dans les champs de bataille. Déplacez-vous, saluez 20 personnes et dites à votre voisin Lelo Eza Lelo. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur Power Channel. Soyez bénis, invités, ceux avec qui vous êtes dans la même maison ou dans le même appartement. Dites à vos voisins, venez devant la télévision parce que ce soir, il y a un pain chaud et il y a un message puissant qui vous sera adressé. Deuxièmement, vous êtes sur Facebook et YouTube. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Vous êtes au Congo, à Kinshasa précisément, en Afrique, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie. Vous êtes au nord de l'Amérique, vous êtes en Europe. Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir et soyez les bienvenus. Généreusement, partagez le direct, taguez vos familles, invitez les membres de vos familles parce que ce soir, il y a une portion pour vous. Est-ce que quelqu'un croit ici que Dieu est là, il va le visiter? Acclame très fort maintenant parce que ce soir, quelque chose de fort va se passer. Amen. Restons debout pour lire les Écritures. Prenez avec moi dans psaume 83, un psaume et imprécatoire, une prière imprécatoire de David contre un psaume d'Asaph, excusez-moi, du peuple d'Israël contre les ennemis d'Israël. Psaume chapitre 83. Nous pourrons lire tout le chapitre. Psaume 83, nous lisons tout le chapitre. Pasteur Daniel va lire pour nous ce texte. Tu vas dire amen à cette parole. Amen. Autant que tes paroles sont importantes dans la prière, ton attitude est importante. Yes. Soit dans l'attitude d'une personne qui n'est pas venue adorer, qui n'est pas venue louer, mais qui est venue faire des prières dangereuses. Amen. Y a-t-il un homme et une femme qui est décidé de voir les choses changer dans sa famille? Amen. J'aimerais l'entendre dans ton amen là où tu es. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur abonde de décision, ta bouche dira amen avec décision ce soir. Amen. Quand le pasteur Daniel lit ce psaume d'Asaph imprécatoire, nous disons amen à ses propos. C'est parti. Oh Dieu, ne restez pas dans le silence, ne t'éteins pas, ne te repose pas, oh Dieu. Mm. Car voici tes ennemis s'agitent. Mm. Ceux qui te haïssent, lève la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Mm. Et délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons du milieu des nations. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites
Moab et les Agaréniennes, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr. Donc il n'y a pas un ennemi, il y a combien? Plusieurs ennemis. La Syrie aussi se joint à eux. Voilà, eux aussi se joignent. Écoute-moi, là où tu es, tu as déjà trop d'ennemis, mais il y a même d'autres amis qui se joignent à eux. Amen. Na bango na ba o balani bango. Ba kuera comme on a dit. Amen. Quand on veut en finir à ta vie, même les ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui pour arrêter ton futur de demain. Yes. Ils viendront tous contre toi par un chemin, mais ils vont se disperser par sept chemins différents. Amen. On y va. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian. Yes. Comme Sisera. Comme Jabin. Au torrent de Kisson. Yes. Ils ont été détruits à Edom, à Dor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite-les comme leur chef. Comme Horeb et Zeb. Et tous les princes comme Zebak et Tsalmouna. Car ils disent, emparons-nous de demeure de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brille la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient hantés et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. On va tous répéter le dernier verset. Lève la main droite et répète avec le pasteur Daniel, 1, 2, 3, go. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. On répète pour la deuxième fois. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Pour la troisième fois. Qu'ils sachent attends, que toi seul. Attends, qui doit savoir? Eux, les ennemis. Toi, tu le sais déjà. Yeah. Maintenant, qui doit le réaliser? Les ennemis. Maintenant, dis-le très fort. Tu le dis à Dieu. Lève la main droite. Une, deux, trois, go. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut deuxième sur fois toute la terre. Deux. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Trois. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Quatre. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Cinq. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. 6. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. 7. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Au nom de Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Je ne cesse de recevoir des réactions incroyables de plusieurs personnalités, personnes importantes, hommes de Dieu, peuple de Dieu, de plusieurs voies de communication pour me dire que les messages sur les imprécations, et même avant ça, les messages sur les balances, les messages sur les lois spirituelles, bref, tout ce qu'on enseigne actuellement a un très grand impact dans la vie de personnes dont on n'a même aucune idée. Ici, j'aimerais saluer, ça vous étonnera peut-être, mais saluer plusieurs prêtres catholiques qui ne cessent de m'écrire et même de m'appeler. L'un des frères qui est ici, il a un homme qu'il connaît qui est prêtre, moine-même, qu'il a appelé pour dire les choses que ton pasteur prêche. Je ne vais pas dire les termes qu'il a utilisés pour ne pas un peu exagérer, mais il a seulement dit que ce sont des choses qu'on n'écoute pas à Kinshasa. Et c'est des choses que les pasteurs ne connaissent pas.
C'est des choses même que les prêtres ne connaissent pas, mais les moines prêtres seulement connaissent ça. Où est-ce que votre pasteur a été? Le problème, c'est que nous sommes entrés dans l'ère de la spiritualité. Nous devons connaître la Bible et connaître le monde spirituel. Beaucoup de prêtres catholiques sont plus spirituels que des pasteurs évangéliques. Je répète et je le dis haut et fort. Beaucoup de prêtres catholiques sont plus spirituels que des pasteurs évangéliques. Être spirituel ne veut pas dire être un homme qui prie beaucoup. Être spirituel ne veut pas dire quelqu'un qui est né de nouveau. Être spirituel ne veut pas dire quelqu'un qui prie beaucoup en langue. Mais être spirituel, c'est être un homme et une femme qui a atteint la dimension où ce n'est plus la chair qui le conduit, l'âme qui le conduit, mais l'esprit a pris la prééminence. Un homme spirituel, c'est celui qui a plus conscience du monde spirituel que du monde matériel. Un homme spirituel est un homme qui a plus conscience des habitants et des mouvements du monde spirituel que les habitants et les mouvements du monde matériel. Un homme spirituel est celui qui a appris à connaître les lois du monde spirituel, à les maîtriser et à exercer leur impact sur la terre. Un homme spirituel n'est pas forcément un chrétien. Même un païen peut être plus spirituel qu'un chrétien si sa conscience du monde de l'autre côté est plus forte que celui de celui-ci. Est-ce que je peux commencer à développer ce que je veux dire? J'étais avec mon frère et sa femme à la maison avant de venir et je les expliquais le film de Matrix. Ceux qui sont les amoureux de films savent que nous attendons tous plusieurs films d'ici avant le 31 décembre, notamment le film de Matrix, La Résurrection. Ceux qui sont au courant de ça, levez la main que je vous vois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste vous faire le résumé du film Le Matrix. Parce que je vais tirer une conclusion et vous dire c'est quoi être un homme spirituel, c'est quoi être dans le monde spirituel. Quand vous suivez le film de Matrix, le film commence avec un homme qui est un informaticien et qui reçoit un message anonyme sur Internet dans sa machine. Pourquoi? Parce que depuis un temps, il remarque que le monde dans lequel il est n'est pas comme le vrai monde. Il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose de fake. Il y a quelque chose de répétitif, quelque chose qui n'est pas clair. Et après, on le contacte et on le donne rendez-vous. Il arrive quelque part, il rencontre un homme qui le présente deux pilules, pour ceux qui ont déjà suivi le film. Et il parle avec lui pour lui dire, regarde au fait ce que le monde est. On montre une télévision et on le montre au fait que le monde que tu as connu, le monde que tu connais n'est pas le vrai monde. Le vrai monde a déjà été détruit depuis très longtemps par l'intelligence artificielle. Vous savez, quand vous suivez même les films de Avengers avec Iron Man, quand vous avez votre iPhone, votre Samsung, lorsque vous parlez, c'est Siri, c'est ça? Qui vous répond, c'est l'intelligence artificielle. Et la plupart des films montrent que bientôt, il est possible que l'intelligence artificielle proclame son indépendance de la race humaine et devienne autonome, faisant les choses comme elle veut faire sans avoir l'aval de l'être humain. Et Matrix montre, c'est un vieux film, mais qui a projeté le futur, qui montre que l'intelligence artificielle va détruire le monde, va commencer à garder une nouvelle espèce d'homme, mais qui vont commencer à être connectés pour vivre dans la Matrix. Et la Matrix, au fait, c'est comme un programme informatique. On est à l'intérieur, on croit que c'est le monde réel, mais ce n'est pas le monde réel. Le monde réel est déjà mort, et c'est un nouveau monde, mais qui est dirigé par l'intelligence artificielle. Mais les vrais mondes, les vrais hommes, le peu de rescapés habitent un lieu qu'on appelle Zion ou bien Sion. Ça, c'est Matrix. Parce que la personne qui a conçu Matrix est une chrétienne. Il y a des noms comme Trinity. Il y a plusieurs noms bibliques, même des versets que vous allez voir dans le film Matrix avec le concept d'un Messie qui viendra sauver les hommes. Ne vous perdez pas, écoutez-moi très bien. Et cet homme finalement, il va rejoindre la résistance qui sont le peu d'êtres humains qui sont restés du vrai monde. Et quand ils veulent entrer dans la Matrix, ils se connectent et ils vont dans l'autre monde là-bas. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dis à ton voisin, nous sommes tous dans la Matrix. Dis à ton voisin, nous sommes tous dans la matrice.
J'aimerais vous dire ceci. Le monde dans lequel on est n'est pas le vrai monde. Le monde dans lequel on est ici n'est pas le vrai monde. Le vrai monde est le monde qui est de l'autre côté. Ce monde n'est pas le vrai. Jésus a dit, ne vous amassez pas de ceci et de cela, parce qu'ici, ça va rouiller. Mais amassez-vous là-bas, parce que là-bas, ça ne se rouille pas. En d'autres termes, ici, ce n'est pas le vrai monde. Il n'y a pas de vraie richesse. Le vrai monde et les vraies richesses, c'est de l'autre côté. Dis à ton voisin, ici, c'est la Matrix. Ce que j'aime, c'est que nous, nous sommes les rescapés. Nous habitons une cité qui s'appelle Sion. Ah, est-ce que welcome to Zion ici? Nous habitons une ville qui s'appelle Sion. Quelqu'un m'entend? Ce monde n'est pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est le monde qui est de l'autre côté. Celui qui coordonne à partir de là-bas peut diriger tout ce qui se passe ici sur la terre. Karabaso pradabashe. Le rabaso bradabashe. Le basabada karabasa. Je peux expliquer quelque chose? Je peux? Je vais enseigner ça bientôt. C'est encore la cuisine, mais j'aimerais lâcher ça. Est-ce que vous savez qu'il y a trois dimensions temporelles? Il existe trois dimensions de temps. Nous les hommes, nous vivons sur la terre. Il y a un deuxième monde qu'on appelle le monde spirituel. Il y a un troisième monde qu'on appelle l'éternité. Beaucoup de chrétiens confondent l'éternité et le monde spirituel. Oui. Le monde spirituel, ce n'est pas l'éternité. L'éternité, c'est le monde spirituel. Mais le monde spirituel n'est pas forcément l'éternité. Je peux commencer à expliquer maintenant. Nous vivons sur la terre où il y a des hommes, n'est-ce pas? Dieu ne vit pas dans le monde spirituel. Dieu vit dans l'éternité. Premièrement, dans l'éternité, il n'y a pas de temps. L'éternité, par définition, c'est un lieu qui n'a pas de temps. C'est l'absence de temps. Mais le monde spirituel n'est pas l'absence du temps. Oui. Sur la terre, nous avons un temps, le temps chronos. 17h, 17h30, 18h, 18h30. Le temps avance à une certaine mesure, de tierce de seconde à minute, de minute à, de heure à. Le temps est mesuré d'une certaine manière à cause du soleil, de la lune, des étoiles. Il a dit, il a créé les luminaires pour fixer les temps et les époques. Mais dans le monde spirituel, il y a aussi le temps. Mais le temps du monde spirituel n'est pas mesuré comme le temps du monde physique. Oui. Si je suis ici, je vais à la première rue. Je vais à pied, je vais arriver après 30 minutes. Mais si je prends la voiture, j'arriverai plus vite là-bas. Dans le monde physique, on prend à pied. Mais dans le monde spirituel, on prend la voiture. Voilà pourquoi pour aller au Bas-Congo, je peux aller en avion ou je peux aller en voiture. Ça prendra des heures. Mais si je suis ici et que je vais en esprit, par l'onction prophétique, je peux aller là-bas en une seconde. Il y a un temps qui est mesuré, mais pas à la manière du temps chronos. Oh. Voilà pourquoi quand tu dors, tu as dormi pendant une minute, cinq minutes. Mais quand tu te réveilles, tu racontes un rêve qui dure 45 minutes. Est-ce que le professeur peut enseigner les choses spirituelles ici? Ce que tu as vu là-bas était long. Et pourtant, tu as juste somnolé. Ici,
le temps était peu, mais là-bas, le temps était long. Parce que là-bas, le temps n'est pas mesuré comme ici. Il déclare, au ciel, il y eut un silence d'à peu près 30 minutes. Comment on peut dire qu'au ciel d'Apocalypse, il y a 30 minutes? Ce n'est pas l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Dans le monde spirituel, le temps n'est pas mesuré comme nous. On voyage à la vitesse de la lumière, on voyage à la vitesse de la pensée. Puis l'ange Gabriel vint d'un vol rapide. C'était à la vitesse de la lumière. On peut mesurer cela, mais c'est une vitesse qui n'est pas mesurable avec nos unités de mesure. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Ni le temps spirituel, ni le temps matériel. Là où Dieu est, il n'y a pas de notion de temps. Les choses peuvent changer dans le monde spirituel, mais pas de l'éternité. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Pourquoi je le dis? Pour que les chrétiens commencent à connaître le monde spirituel. On dit amen, très bien. Amen. Maman, ton problème est un petit problème. Ce soir, on va aller dans le monde spirituel. On va rectifier ce qui a été écrit. Lève la main, dit je deviens spirituel. Bon, même si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Lève la main, dit je deviens spirituel. À partir de ce soir, tu deviens un homme spirituel et une femme spirituelle. Et quand même les prêtres peuvent nous écrire, c'est parce qu'ils savent. Si je salue aussi l'abbé Blaise, ça, qui m'a fait un clin d'œil sur les réseaux sociaux, et il a même commenté une prédication que j'avais enseignée sur les reliques. Parce que les hommes spirituels se connaissent. Je dis, le temps est venu. On ne te respectera plus par rapport à ta taille, mais par rapport à ta taille dans le monde spirituel. Un enfant a 5 ans, mais il peut tuer un vieux de 73 ans parce qu'il est sorcier. L'âge physique ne compte pas toujours. David dit, je suis plus sage même que les vieillards et mes maîtres. Il y a une dimension où ce n'est plus l'âge physique qui compte, mais c'est l'âge de l'homme spirituel. Il y a des gens qui ont 30 ans de vie chrétienne, mais intérieurement, leur esprit est encore nourrisson. Dans les derniers jours, j'ai répondu dans mon esprit. Les jeunes gens vont avoir des visions. Vos fils et vos filles vont. Vos vieillards auront des. L'âge dont on parle n'est pas l'âge physique. Dis à ton voisin, grandis. Dis à ton voisin, grandis. Le temps vient, maman, où un homme viendra te draguer. Pendant qu'il est en train de parler, tu lui dis, tu es déjà marié. Tu as laissé ta femme en Suisse. Elle s'appelle Blandine. Blandine a aujourd'hui 35 ans. Elle totalise 36 le 16 novembre 2021. Il dit, hein? Comment tu sais? Il dit, attends, j'ai commencé. Et tu lui dis, can I prophesy? On ne ment pas à tout le monde. Il y a des gens à qui on ne ment pas. Il peut faire semblant qu'il te croit, mais à l'intérieur de lui, il sait que tu le mens. Deviens spirituel. Oh, dis encore spirituel. Dis encore spirituel. Et ce soir, on va faire des ravages dans le monde spirituel. Excusez-moi pour les deuils qui auront lieu dans votre famille. Excusez-moi. Je viendrai pleurer. On va prêcher, boire du café, gagner des âmes. Mais il y a des gens qui doivent tomber. Il y a des gens qu'on doit enterrer. Alors, tu n'as pas dit amen? Parce que toute la famille doit être libérée. Au nom de... Mettez-vous dans la présence de Dieu. Et pour cela, il y a des prières que nous avons décidé de faire
qu'on appelle des prières dangereuses, et notamment ce qu'on appelle les prières imprécatoires. J'ai donné les définitions des prières imprécatoires. J'ai parlé des points d'appui des prières imprécatoires. Quels sont les points qui peuvent nous demander, nous aider à nous appuyer, des arguments, voilà, que nous pouvons utiliser, des prétextes pour libérer une imprécation. Dis avec moi les prières dangereuses. Encore plus fort. Et ce soir, on veut parler sur le quand, le où et le comment faire les prières d'imprécation. Dis avec moi où, quand et comment. Dis avec moi où, quand et comment faire des prières d'imprécation. Alors, les prières imprécatoires, je tiens à répéter cela, ne sont pas des prières conventionnelles. Donc, un enfant de Dieu normal ne passe pas toute sa vie à faire des imprécations, ni toutes ses semaines. Non. Ici, je me permets de vous donner des armes non conventionnelles, parce qu'il y a des combats aussi qui sont non conventionnels. Je vous emmène à connaître les prières dangereuses, parce qu'il y a certains cadres dans la vie qui sont dangereux. Et je vous donne des armes qu'on n'utilise pas tous les jours. Mais lorsqu'on les utilise, il y a des dégâts au-delà même de la prière d'intercession. Parce que là, vous engagez non seulement le monde spirituel, mais vous pouvez même engager les forces de la nature. La terre peut s'élever. Le feu peut s'élever. L'air peut s'élever. Les arbres peuvent s'élever. Les animaux peuvent s'élever. On se moquait d'un homme qui s'appelait Élisée. Monte chauve, avec des propos de mépris pour parler sur le prophète Élisée. Et Élisée a maudit ses enfants alors qu'il parlait des ours. Ils sont sortis et sont allés détruire et ravager la vie de ses enfants. Je voudrais vous dire quelque chose ici. Chaque matin, tout parent juif bénit ses enfants. Chaque matin. Tout parent juif bénit ses enfants. C'est un rituel juif qui date depuis la nuit des temps. Donc, les enfants qui parlaient étaient des enfants bénis. Les enfants qui se moquaient étaient des enfants bénis. Mais Élisée avait une autorité au-delà des parents biologiques. Il y a des moments où peu importe ce que tes parents ont dit sur toi de mauvais, ton père spirituel peut révoquer cela. Et lorsqu'il a parlé, les animaux sont sortis pour libérer le pouvoir imprécatoire afin de libérer la colère de Dieu sur ses enfants. Quand on entre dans la prière imprécatoire, sachez que c'est dangereux. Vous pouvez engager les astres, engager le vent, engager la mer. La personne sur qui l'imprécation est sortie fait un voyage à Brazzaville et ne comprend pas. Tout le monde est sauvé, mais elle est la seule personne qui meurt. Parce que quand vous entrez dans ces prières, vous entrez dans des prières extrêmement dangereuses. Voilà pourquoi je vais clôturer ça vendredi prochain. Parce que ce n'est pas vraiment des choses que je peux donner ça à tout le monde. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis à l'autre voisin. Donc c'est vraiment avec un cœur partagé que je donne ces choses. C'est comme si tu donnes à un enfant le couteau, tu dis voilà comment utiliser le couteau, et tu dis à l'enfant n'utilise pas le couteau tout le temps. C'est très compliqué. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons tous des ennemis. Et quand les ennemis se liguent, et quand les ennemis décident de vous tuer, frère, tu dois utiliser les armes non conventionnelles. Et tu vas libérer des imprécations sur eux. Frère, l'imprécation peut paralyser quelqu'un. Pourquoi le roi a demandé qu'on appelle Balaam? On a dit, avant qu'on les attaque militairement, on doit les maudire spirituellement. On a appelé Balaam pourquoi? Qu'il regarde toute la nation, qu'il parle. S'il parle, il va les paralyser physiquement. Les armées vont aller les vaincre militairement. Quel lien il y a entre les armées
et l'imprécation. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vas dire va paralyser toute leur famille. Ce que tu vas dire va paralyser toute l'entreprise. Ce que tu vas dire va paralyser tout leur ministère. Où, quand et comment faire les prières imprécatoires? J'aimerais aller dans le contexte de la maison. L'Esprit de Dieu m'a beaucoup parlé, m'a dit, je veux vraiment que tu emmènes l'attention de l'Église sur les réalités qui se passent dans la maison. Genèse chapitre 28. Là où nous tirons, ici est la maison de Dieu, ici est la porte des cieux. Pasteur Daniel va lire pour nous. Genèse 28, verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il a dit quoi? C'est ici là? La porte des cieux. Et c'est ici là? La maison de Dieu. La question que je vous pose, y avait-il une maison là? Y avait-il une maison là? Non. Oui, parce qu'il a dit ici et là, maison de Dieu. Mais elle, de quelle matière était faite cette maison? Invisible. Cette maison était-elle visible ou invisible? Invisible. Jacob se réveille de la vision et il dit, ici, il y a une maison spirituelle. Les passants ne voyaient pas, mais lui, il voyait là une maison spirituelle. Et quand vous regardez l'histoire, écoutez-moi, enfant de Dieu, c'est exactement là que Salomon a construit la première maison de Dieu construite en bonne et due forme, qu'on appelait le temple de Salomon. C'était exactement là où Jacob avait dit, ici il y a une maison spirituelle. En d'autres termes, avant qu'on construise une maison spirituellement, il existait une maison spirituellement. En d'autres termes, là où il y a une maison physique, il y a aussi une maison. En d'autres termes, pasteur, si tu veux construire une église quelque part, ne construis pas d'abord un bâtiment. Commence à être rassuré qu'il y a d'abord une maison spirituelle là. On peut aller dans les eaux profondes maintenant. Maman, quand tu dors et que tu rêves de votre maison, c'est quelle maison que tu vois? Lorsque tu rêves de la maison des voisins et que tu vois que la fenêtre est ouverte, qu'il y a des toiles d'araignée et que le mur a des fissures, c'est quelle maison que tu as vue? Lorsque tu dors et que tu vois que dans votre maison, il n'y a pas de courant, tout est noir dans la maison et qu'il y a des chiens dans la maison, c'est quelle maison que tu as vue? Or, à vrai dire, les enfants de Dieu ne savent pas. Tous les rêves que tu fais sur une maison, c'est la maison que tu as vue, mais son état spirituel. La maison peut être peinte en blanc. La maison peut être belle. La maison peut être éclairée. Mais si tu rêves de la maison qui fait noir, on te révèle que l'état spirituel de cette belle maison, c'est comme ça. Et dans peu de temps, tu vas voir ce qui est spirituel devenir matériel dans cette maison physique. Oh, j'ai rêvé, j'étais sur notre avenue. C'est quelle avenue? Vous avez une avenue physique et vous avez une avenue spirituelle. Oui. Je viens de t'interpréter un rêve. Quand tu rêves de votre maison, tu as vu votre maison, mais tu l'as vu dans son état spirituel. Voilà pourquoi le temps est venu où tout enfant de Dieu doit élever des murs sur le plan spirituel de la maison. Il y a des gens qui ont une grande clôture, mais spirituellement, il n'y a pas de clôture. Quand on rêve de votre maison, on voit que votre maison familiale n'a pas de clôture. Et pourtant, la maison est bien clôturée. Quand tu vois dans ta chambre, tu vois un lit. Mais quand tu dors, tu rêves que ta femme et toi, vous dormez par terre. Il n'y a pas de lit. C'est l'état spirituel de votre maison. Dis avec moi, le monde est d'abord spirituel. Voilà pourquoi, commence à réparer votre maison spirituellement avant de la réparer physiquement. Tout ce que tu vois de votre maison,
L'état de votre maison spirituelle détermine l'état de votre maison physique, où c'est qu'elle va finalement devenir dans les temps qui approchent. Dis amen très fort. Dis avec moi ma maison. Dis avec moi ma maison. La première chose que j'aimerais dire, les premières prières dangereuses que tu dois faire, tu dois les faire dans ta maison. Et ici, j'aimerais souligner quelque chose. Dans la maison, il y a plusieurs pièces. Dans la maison, il y a plusieurs espaces. Mais écoutez-moi très bien. Quel est le centre de contrôle de la nation? C'est la présidence. Deuxième question. Quel est le centre de contrôle d'une entreprise? La direction générale. Quel est le poste de commande d'une église locale? C'est l'hôtel ou le bureau du pasteur. Quel est le centre de commande d'une maison? C'est la chambre des parents. Dis à ton voisin, allons dans la chambre. Le lieu stratégique de toute votre maison, c'est la chambre. Ce n'est pas la cour. Ce n'est pas la cuisine. Ce n'est pas le salon. Ce n'est même pas le bureau où papa travaille. Le lieu stratégique de votre maison, c'est la chambre. Et aujourd'hui, après culte, chacun va aller dans sa chambre et va faire des choses dangereuses. Dis amen très fort. Dis plus fort que ça, amen. Dis à ton voisin, allons dans la chambre à coucher. Lève-toi avec moi. Dis, fais deux pas spirituels. Dis, j'entre dans ma chambre spirituellement. Tu es entré? Fais deux pas de l'autre côté. Dis, j'entre dans ma chambre spirituellement. Va de l'autre côté, dis, j'entre dans ma chambre spirituellement. Je dis, ce soir, tu vas commander tout ce qui va arriver dans ta maison et dans les habitants de la maison à partir de ta chambre. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Déjà dans la Bible, on parle d'un concept qui porte le nom de chambre. C'est le nom que l'on connaît, la chambre haute. C'était quoi la chambre haute? La chambre haute était la partie supérieure d'une maison où l'on avait coutume de se retirer pour des communications intimes. Samuel et Saül se sont retrouvés dans la chambre haute pour parler de la royauté, avant que ces derniers ne soient en route et que Samuel libère Saül dans le chapitre 10 avec des directions prophétiques. C'est là encore qu'il eut l'événement qu'on appelle la Pentecôte. C'était une pièce dans la maison où on se retirait, soit pour dormir, pour des invités, pour la prière ou même pour des communications intimes. Dis avec moi la chambre. Dis avec moi la chambre. Pourquoi ta chambre? Parce que la chambre est le centre de contrôle de toute la maison. Voilà pourquoi premièrement tu dois sanctifier ta chambre. Sanctifier la chambre veut dire quoi? Mettre à part ta chambre. Il y a des gens que l'on reçoit devant la porte principale de la maison. Oui, tu viens, tu ouvres et tu mets ta tête. Qui êtes-vous? Que cherchez-vous? Non, il n'est pas là. D'accord, on passera le message. On ferme la porte. On ne laisse même pas la personne regarder la maison. On ne laisse même pas la personne mettre un pied dans la parcelle. Pourquoi? Parce que cette personne est un inconnu. Est une inconnue. Il y a des personnes, on ouvre la porte, plus ou moins, on permet à ce qu'ils entrent dans la cour. À la limite, on peut leur donner une chaise et on parle avec eux, d'accord, et ils partent. Il y a des gens, on les reçoit dans la maison, au salon. C'est parce que nous les Africains, nous sommes trop hospitaliers, mais aux États-Unis, quand quelqu'un vous invite à manger chez lui à la maison, même en Europe, il vous fait un grand honneur et vous valorise et parce qu'il veut approcher, il veut créer une intimité avec vous. Tout le monde n'entre pas au salon, ni dans la salle à manger. Même pour aller utiliser les toilettes, on supplie respectueusement, puis-je utiliser vos toilettes. Parce qu'on sait qu'on peut se voir au restaurant. Même manger au restaurant, déjà, c'est un problème. On peut se voir au travail, on peut se voir dans un bistrot, mais à la maison, on ne reçoit pas tout le monde.
Beaucoup de gens reçoivent n'importe qui et font entrer des mauvaises énergies dans leur maison. Toute personne qui vient, vient avec ses énergies. Toute personne qui entre chez toi, entre avec son aura. Toute personne qui entre chez vous, entre avec les esprits qui l'accompagnent. Voilà pourquoi il n'est pas bon pour un pasteur de faire des délivrances dans sa maison. Oui, serviteur de Dieu, ministre de Dieu, arrêtez les choses de l'église à l'église. Vous avez un cas de délivrance, délivrez la personne à l'église, au bureau, dans la maison de Dieu. Parce qu'ici, c'est un lieu mis à part pour la domination des esprits. Mais à la maison, vous commencez à traiter des cas de gens à la maison. Des cures d'âme à la maison. Des délivrances, des sortez, libérez, part, se rentre, le feu, le sang de Jésus à la maison. Il y a des esprits qui ne quittent pas votre parcelle. Il y a des esprits qui restent là. Et s'ils ne peuvent pas vous avoir, ils auront votre femme. Sinon, pas votre femme, ils auront vos enfants. Ou même, ils peuvent résider dans les animaux et les insectes. Notre maison a trop de cafards. Ce ne sont pas des cafards naturels, ce sont des cafards spirituels. Notre chien a un problème ces jours-ci. Hein. Est-ce qu'il a des... Il a des punaises ou il y a un problème? Il est trop agité. Ce n'est pas des punaises. L'animal est possédé des esprits. Les démons ont possédé les pousseaux. En d'autres termes, les démons peuvent habiter les corps des animaux. Le corps animal n'est pas incompatible à la possession démoniaque. Est-ce que les hommes spirituels sont là? Est-ce que les femmes spirituelles sont là? Même si tu aimes ton chien, s'il doit mourir, il va mourir. Oh, papa, là où le combat est arrivé, les prières imprécatoires, il n'y a pas de pitié. Il y avait trop de démons en lui. Les démons sont partis et son corps n'a pas supporté, il est mort. Je libère le feu sur tous les animaux et les insectes. Canaux de transmission des démons, dépôt des esprits, lieu de passage de la sorcellerie. Au nom de Jésus dans votre maison. Hey, quelqu'un m'entend? Il y a des prières qu'il faut arrêter de faire à la maison, surtout des prières pour délivrer les gens. Il y a des pasteurs qui ont des problèmes de divorce dans leur foyer parce qu'ils ont emmené les esprits de l'église à la maison. La maison d'un pasteur n'est pas censée être l'extension de l'église. Oh papa, je vais à la maison pour les problèmes. On peut parler. Mais les cas de délivrance à l'église. Parce que la maison doit être un lieu de repos, de rafraîchissement. Et non un terrain de foot spirituel et un champ de bataille. Dis à ton voisin, protège ta maison. À partir d'aujourd'hui, sois hospitalier, mais ne sois pas hospitalier à l'excès. Parce que tout excès boue tout. Tout excès est nuit. Boue tout. Surtout quand tu es dans une période où il y a des oppressions dans la maison, évite de recevoir trop de gens. Évite. Les hommes de Dieu, oui. La prière, oui. Mais il faut éviter de recevoir n'importe qui dans la maison. Fais entrer les gens en fonction de leur relation avec toi. Et le grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont des problèmes parce que leur propre chambre à coucher a la même valeur que la véranda de la maison. Tout le monde qui entre dans la parcelle peut entrer dans la chambre. Tout le monde qui entre dans la maison peut entrer dans la salle de bain de ta maison. Dis avec moi, ta maison est en danger. Dis à ton voisin, ta vie est en danger. Je décrète et déclare ce soir, ta chambre deviendra un sanctuaire. Non seulement un lieu de repos, non seulement un lieu où tu jouis d'une bonne sexualité avec ta femme, non seulement un lieu où tu réfléchis et planifies tes journées et tes saisons, mais je décrète et déclare, ta chambre devient un sanctuaire
où l'échelle est établie sur votre lit conjugal, les anges montent avec des prières et descendent avec des directives et des révélations. Reçois cela au nom de Luc 22, verset 12. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Cet événement, cette grande fête juive, grande fête chrétienne, dans laquelle et par laquelle nous avons trouvé la rédemption en Jésus-Christ. S'élant cela par la Sainte Seine, ce lieu-là était une chambre haute. Il a dit, ce n'est pas dans la maison, c'est un lieu qu'on appelle la chambre haute. Dis avec moi, sanctifie ta chambre. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Dis avec moi, ta chambre, ta porte, ton Père. Dis avec moi, ta chambre, ta porte, ton Père. On entre où? Dans? On ferme quoi? On prie qui? Dis avec moi, j'entre dans ma chambre, je ferme ma porte, et je prie mon Père. Pourquoi Jésus a dit, quand vous entrez, entre dans ta chambre et ferme la porte? Parce que spirituellement, il y a un lien avec votre maison physique. Là où il y a une porte physique dans votre maison, il y a aussi là aussi une porte spirituelle. Oh. Oui. Dans la porte d'entrée de la maison, sur l'avenue, cette porte-là, il y a une porte parallèle. Il y a une autre porte spirituelle là. Et très souvent, ce qu'on fait de la porte physique se répercute dans la porte spirituelle. Ouvrez les portes de la maison. On ouvre les portes. Pourquoi? La porte est un lieu d'accès. On fait quoi? On entre par la porte et on fait quoi? On sort par la porte. Par la porte, on fait entrer et par la porte, on fait sortir. Il y a des choses et des prières, Dieu te dira, ouvre toutes les fenêtres et les portes de la maison. Tu balayes la maison, tu nettoies la maison, tu fais la sainte sainte, tu pries. Mi pepe nyos mabe ebima. Pourquoi on nous dit la nuit de fermer toutes les portes et toutes les fenêtres? Les parents vous diront des choses physiques pour la sécurité. Mais nous savons tous que ce n'est pas bon spirituellement de laisser les accès de nos maisons ouvertes la nuit, n'est-ce pas? Oh, j'ai pas entendu. Est-ce que je peux répéter? C'est vrai, on ferme la porte la nuit, les fenêtres la nuit. Mais nous tous, nous savons que ce n'est pas bon la nuit de laisser la porte ouverte, les fenêtres ouvertes, même s'il y a la sécurité. Pourquoi? Parce que quand on ouvre la porte physique, les esprits peuvent entrer. L'ouverture de la porte physique signifie l'ouverture de la porte spirituelle. Donc quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il y a des moments où il faut fermer la porte et fermer les fenêtres. Parce que votre porte physique est liée à votre porte spirituelle. Quand tu vois des fois, oh, la porte de la maison, les clés sont abîmées, le cadenas est abîmé, le cadenas est volé, oh, la porte a un problème, changez la porte. Parce que spirituellement, ça veut dire que votre lieu d'accès est vulnérable. Votre lieu d'accès est un passage. Écoutez-moi. Quelqu'un peut dire amen? Qui a son téléphone ici? Lève ton téléphone. Ton téléphone est physique ou spirituel? Il est quoi? Mais écoutez-moi, est-ce que tu sais que quand ton téléphone ou bien tes téléphones s'abîment toujours, tu n'as jamais de téléphone, tu as un problème spirituel? Est-ce que tu le sais? Mais oui, parce que tes relations sont ici. L'exaucement de tes prières passera par un appel. L'acquisition du travail et le commencement, son commencement lundi matin, commencera ici. Donc quand on combat ton téléphone, on combat tes relations. Toi, on te connaît déjà. Quand on te voit, mais on t'appelle, on n'arrive pas à te joindre. Ah, papa, mon téléphone. Quand tu as toujours des problèmes de téléphone, tu as un grand combat dans ta vie qu'il faut régler. Quel lien
entre le téléphone et mes relations. Frère, il y a toujours une corrélation entre les choses physiques et les choses spirituelles, que tu le connaisses ou pas. Dis amen fort. Dis à ton voisin, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Lève-toi avec moi. Dis à ton voisin, entre dans ta chambre et ferme la porte. Mettez-vous. Il n'est pas bon de toujours laisser les portes ouvertes et les fenêtres ouvertes. Ce n'est pas bon, surtout la nuit. Parce que la nuit, c'est le moment des esprits. Marche sur ton avenue la journée, tu ne sentiras rien. La nuit, à minuit, à une heure surtout, 2 heures, 3 heures, marche sur la même avenue. Même si tu n'as pas peur, tu sentiras qu'il y a des mouvements dans l'avenue. Parce que la nuit, c'est le moment des esprits. Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Dis à ton voisin, ouvre les fenêtres en direction de l'Orient. Est-ce que je parle aux hommes spirituels ici? Aïe, aïe, aïe. Je dois parler comme un pentecôtiste ou comme un homme spirituel. Hein? Non. Tous ceux qui sont pour que je parle comme un homme spirituel, levez la main. Que je parle comme un pentecôtiste, levez la main. Bon, par exemple, je parle comme un pentecôtiste. Le temple de Dieu existe. Maintenant, je parle comme un homme spirituel. Le temple de Dieu n'existe pas. Je parle comme un pentecôtiste. Le temple de Dieu, le temple de Dieu, le temple de Dieu existe. Mais si je parle comme un homme spirituel, le temple de Dieu n'existe pas. Parce que Dieu n'est pas lié au concept de temps. Dieu n'est pas lié au concept de temps. Jésus arrive devant un figuier. Oui! Il dit au figuier, donne-moi de ton fruit. Et pourtant, ce n'était pas le temps de produire des figuiers. Jésus l'a maudit. Le temps de Dieu, c'est quand Dieu est là. Voilà pourquoi il s'est révélé à Moïse, non pas comme j'étais, mais comme je suis. Est-ce que les hommes spirituels sont là? Ils vont à Cana, certainement au Liban aujourd'hui, dans un mariage. Jésus dit à cette femme, il dit, femme, mon temps n'est pas encore venu. Ce n'était pas son temps de faire un miracle. La femme a dit, il est je suis. Même si ce n'est pas son temps, il va le faire parce qu'il est je suis. Faites ce qu'il vous dira. Jésus a dit, elle connaît le pouvoir de me dire. Elle connaît le pouvoir de ma parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus allait chez Jairus ressusciter l'enfant. L'enfant qui avait 12 ans, malade et mourante. Et bizarrement, une femme qui avait souffert pendant 12 ans. Elle n'était pas dans le temps de Dieu. Elle n'était pas dans l'agenda du temps de Jésus. Elle a dit, ici, il n'y a pas question de temps de Dieu. Je vais me lever. Parce que Jésus est là. Mon temps est là. Dans une certaine classe, on vous dit que 1 moins 2 est impossible. Et vous avez raison. Pourquoi? Ce n'est pas impossible pour le professeur. Le professeur connaît toute la mathématique. Mais c'est votre niveau. C'est votre âge. On vous dit que c'est une équation impossible. Et c'est vrai. Mais la vérité est relative au niveau. Dans
dans une autre classe. Là-bas, Chabra. On vous dit 1 - 2 n'est pas impossible. Mais nous ne veut prier là-bas. Non, vous aviez appris parce que c'était la vérité de l'époque. Dans cette nouvelle époque, il n'y a pas de question de 1 - 2, c'est impossible. 1 - 2 est égal à... Il y a des voisins, ils allaient qu'à mon niveau. Quelqu'un a dit, comment le docteur Lou voit prophétise pour le prophète Joël et dit, Dieu voulait faire des choses en 2022 pour toi, mais il va le faire en 2021. Oh, ça c'est pas Dieu qui parle. Ça c'est un enfant de 1 - 2, c'est impossible. Dieu n'est pas lié au temps. Oui. Tu te maries quand? Oh, frère, si tu te décides de mettre la foi, la foi est la loi qui te met dans le domaine de Dieu. À cause de la foi, même quelque chose qui devait normalement arriver en 2023 va t'arriver en octobre 2021. Est-ce qu'un homme de foi est là? Celui qui entre dans la loi de la foi entre dans la loi de la divinité. Car rien n'est impossible et tout est possible. Tout c'est tout sauf rien. Tout c'est tout. Oh, le temps de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont embrouillés ici avec le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'existe pas. Est-ce que je pourrais comme un pentecôtiste ou comme un homme spirituel? Dis amen bien. Dis amen bien. Dis à ton voisin, entrant dans le monde spirituel. Donc n'aie pas peur. J'aimerais vous provoquer un peu. Et je vous donne rendez-vous au mois d'octobre. Quand Caïn est allé se marier, il a trouvé sa femme où? Hein? Nous tous, on fouille la question. Le jour où j'ai vu Fali Poupa pour la première fois, on avait voyagé, pasteur Daniel était là. Il m'a dit, ah, pasteur, n'a profité na tout na yo. Caïn, Adam, Azalara, Moutoua, Rasnin. Première question de Fali Poupa. Deuxième question, quand Caïn est allé se marier, où avait-il trouvé sa femme? Je parle comme un pentecôtiste. Comme un pentecôtiste. Est-ce que la porte de Dieu est là? Comme un pentecôtiste, je vais dire, les seuls êtres humains sur la terre, c'était Adam et Ève et Caïn et Abel. Mais, hein? Mais, comme homme spirituel, je vous dirai qu'il n'était pas le seul être humain sur la terre. Oui. Il y avait des êtres humains qui existaient. Il y avait un jardin dans Éden et Éden était dans la terre. Il est allé à l'orient de Éden. Quelqu'un m'entend? Eux, ils étaient dans le jardin qu'il y avait à Éden. Mais sur la terre. On a lu un verset mardi. On dit, le monde d'autrefois a été détruit par le déluge. Mais le monde d'aujourd'hui sera détruit par le feu. Les cieux et la terre d'autrefois, les cieux et la terre d'aujourd'hui. Le déluge là, ce n'est pas le déluge de Noé. Dis à ton voisin, devient spirituel. Dis à ton voisin, Tokola. En grandissant. Dis à tous tes voisins, Tokola. Grandissant. Est-ce que la porte de Dieu peut acclamer là où elle est? Il y a un homme qui disait à son petit frère, il disait, petit frère, quand tu dors avec une femme sur le lit, il n'est pas bon que la femme puisse te sauter. Oui, oui. Donc toi tu dors, la femme va aller de l'autre côté du lit, elle te saute sur le lit.
ce n'est pas bon. Vous avez déjà entendu ça? Ah! Ça, ce n'est pas le pentecôtisme. Ça, c'est les choses spirituelles. Je parle comme un spirituel, mais je parle comme un pentecôtiste. Comme un pentecôtiste, je vous dis que Jésus a dit. Ce n'est pas la montagne. Ce n'est pas Samarie. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça, c'est clair. Prier sans cesse, prier en tout lieu. La prière a de l'impact partout et en tout temps, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi les gens prient en regardant la Mecque? Pourquoi les Juifs prient en regardant Jérusalem? Bon, je laisse ça. Hein? On peut monter? Non, dans la Bible, toutes les prières sont exaucées parce que Dieu est dans les cieux. Mais pourquoi ces gens-là prient en étant connectés à l'Orient? Frère, il y a des prières comme ça dangereuses, tu entres, tu regardes l'Est. Tu regardes l'Est. Tu verras des résultats plus que ce que tu vois quand tu pries n'importe comment. Je ferme la parenthèse. Je risque de vous... Ésaïe 26, verset 20. Réma, tu as compris? Hein? Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme-toi la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Frère, la chambre est un lieu de refuge. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même pas dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. L'animal ailé, c'est l'image de l'ange. Ça a une allusion avec l'angéologie. On dit, dans ta chambre là, ne parle pas mal. Parce qu'un oiseau ailé qui est là va prendre tes paroles et va aller rapporter ça. En d'autres termes, où se trouve cet oiseau? Hein? Où se trouve cet oiseau? Oh. Où se trouve cet oiseau? Il y a une angéologie dans ta chambre. Il y a un mouvement des anges dans ta chambre. Ouais, surtout si tu es marié. Le lieu où quittent les esprits, naturellement, à part ceux qui décident d'être au salon, ou s'ils se fâchent dans la cuisine. Mais naturellement, papa et maman ont pas du lit conjugal, soit exempt de toute souillure. C'est sur le lit. Les anges sont là. Quand il y a conception, quand il y a bébé qui entre, il y a des anges qui viennent, qui font le protocole de cet esprit jusque dans le ventre de la femme. Parce que la chambre est un lieu spirituel. Voilà pourquoi dans la maison tout va bien, mais quand tu entres dans la chambre, tu sens l'oppression. Ça veut dire que tu es combattu. Parce que si on paralyse l'atmosphère de ta chambre, là où tu dors, on paralyse l'atmosphère de la maison, parce que ta chambre, c'est le lieu de commandement. Bon, je sais qu'il y a des gens qui dorment assis dans la même chambre. Et ils doivent prier dans le couloir ou bien dans la cuisine. Que Dieu te libère de cette vie au nom de Jésus. Dis amen bien que je t'entende. 2 Rois 4, verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Pourquoi? Parce que cette femme avait compris que dans notre maison, on doit avoir un lieu, une chambre qui est totalement mise à part pour un homme de Dieu. Dis amen bien. Moi, j'ai combien de chambres chez moi? J'ai 5 chambres chez moi. Mais j'ai une chambre. Bon, j'ai une chambre pour les habits, une autre chambre pour les costumes. Pour les chaussures.
Bon. Dites amen. Mais il y a une chambre. Donc cette chambre-là a un taux vibratoire compliqué. Oui, quand tu es dans cette chambre-là, tu sens qu'il y a une fréquence bizarre. Parce que c'est mon lieu de prière. Quand j'entre là-bas, samedi, pour dormir, me réveiller dimanche matin, j'ai l'impression qu'on m'a lavé, on m'a nettoyé, on m'a purifié. Et la chambre-là, avant, le pasteur Daniel priait là-bas. Viens avec moi ma chambre. Dis à ton voisin, n'entre pas dans ma chambre. Maman, ta meilleure amie sur ton lit. T'as ma copine sur ton lit. Ton oncle paternel sur ton lit. Ta tante maternelle sur ton lit. Ta collègue de travail sur ton lit. Après demain, tu vas dire, tu as des maris de nuit. Maman, c'est toi qui as fait le protocole de la mari de nuit, de la femme de nuit, depuis l'extérieur du fleuve, jusque dans ta chambre à coucher. Tout le monde ne peut pas dormir sur ton lit. Oui? Tout le monde ne peut pas se laver dans ta salle de bain. Oui, quand quelqu'un se lave physiquement, il a saleté des sangs. Il y a aussi d'autres saletés spirituelles qui restent là. Oh, je te parle comme un homme spirituel. Voilà pourquoi gardez l'intimité de votre vie de couple pour vous deux. Attends, je t'amène ça au salon. Oh, Nakaka, non. C'est ma chambre. Et il n'est pas bon qu'on entre dans ta chambre sans frapper à la porte. C'est l'impolitesse. Dis amen bien. Dis amen bien. Luc 12, verset 3. C'est pourquoi tous ceux qui auraient... Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Quelqu'un est béni? C'est pourquoi tous ceux qui auraient dit dans les ténèbres, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sous les toits. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses privées, secrètes et intimes qu'on ne dit que dans les chambres. Et Jésus dit les choses privées là, on va les faire sortir. Dis avec moi, la chambre est un lieu privé. Dis à ton voisin, sanctifie ta chambre. Quand cette femme a perdu son enfant, elle a mis cet enfant sur le lit du prophète Élisée. Oui. Parce que c'est là où l'homme de Dieu dormait. Dis avec moi le mystère du lit. Encore. David parle de son lit. Psaume chapitre 6, verset 6. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de larmes. Mon lit est arrosé de pleurs. David parle à Dieu et il parle à Dieu de son lit. Dis avec moi, mon lit devient spirituel. Psaume 132, verset 3. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je me repose. Seigneur, ce lit-là, je ne monterai pas dessus, je dors à terre. Je ne monterai pas dessus, je dors au salon. Je ne monterai pas dessus, je mets une natte. C'est dans ce lit-là où je me repose en paix. Je le laisse pour te chercher. 2 Rois 4, verset 21. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Quand j'étais à Philadelphie, un jour j'étais au bureau. Une femme vient. Je parle avec elle et je dis, madame, c'était le jour de réception. Mon bureau était sur Beauvent, là où nous avions nos anciens bureaux de l'église Philadelphie. Je dis à la femme, madame, tu es venue avec ta soeur. Ta soeur est à l'extérieur. Elle dit oui. Ta soeur a un problème de conception. Elle a dit oui. Et sa soeur est entrée. Elle était mariée à un homme très élevé qui est dans l'une des deux chambres de notre palais du peuple. Je brouille un peu quelques indices. Un homme très important du pays, d'une famille très importante. Mariés déjà, un beau couple que j'aime jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'ont pas d'enfants. Et je dis à cette femme, ainsi parle l'Éternel, tu vas concevoir et tu auras un enfant. Le Dieu qui t'a vu à l'extérieur, oh le Dieu de Jésus-Christ qui a vu Nathanaël sous le figuier, il est vivant. En cette saison, le prophétique va éclater comme jamais. Dis avec moi, je suis prophétisable. Encore? Plus fort. Et je dis à cette femme, tu vas concevoir, tu auras un enfant. Et cet enfant sera comme un enfant surdoué. Ouais. Deux
Trois semaines après, avant un mois, la dame me fait signe que quelque chose se passe. Dis avec moi, quelque chose se passe. Elle a conçu 9 mois après, elle a mis au monde une fille. Une fille, hein? Une très jolie fille, même surdouée pratiquement, parlant plusieurs langues éveillées. On a béni Dieu pour cet accomplissement. Et après quelques temps, prophète, on veut un autre enfant. Puisque c'est toi qui avais ouvert le ciel la première fois, viens ouvrir le ciel la deuxième fois. Et ce jour-là, je suis allé veiller chez eux à la maison. J'étais là avec qui ici? Personne, hein? Qui se trouve ici encore à l'église. Je suis allé. On est arrivé au salon. On priait. J'ai dit, ainsi parle l'Éternel. Je dois dormir aujourd'hui sur votre lit conjugal. Ouais. Dis avec moi le mystère du lit. À partir d'aujourd'hui, Tolongoli babinse quoi spirituel nyoso. Comment qu'on l'a nabinse quoi? On enlève toutes les punaises spirituelles. Oui, binse quoi? Yo botema na Canada. Do you know the binse quoi? Punaise. Binse quoi? Yes. Nyo binse quoi? Binse quoi? Oui, tondolo. Non, tu connais la confiture. Fromage. Dis avec moi, avance, prophète. Avance, prophète. Je suis entré dans la chambre de son excellence, dans l'onction prophétique. Je suis allé dans leur toilette. J'ai fini. Je suis allé sur le lit conjugal de papa et de maman par la parole de l'Éternel. Je me suis couché là. J'ai enlevé les babouches. Je me suis couché, je me suis couvert. J'ai commencé à tourner sur le lit. Rakaba sopra kataba. Jiprato poyekerebe. Écoute-moi. Paul dit, je parlerai la langue des hommes et la langue des anges. La langue des hommes, c'est la langue que les hommes parlent et peuvent communiquer avec. La langue des anges, c'est la langue que les anges parlent et peuvent communiquer avec. Et quand tu parles la langue des anges, tu communiques avec des anges. Je parle comme un pentecôtiste ou comme un homme spirituel. Comme un pentecôtiste, on n'envoie pas les anges. Mais comme un homme spirituel. Quand je parle, je dis aux anges ce qu'ils doivent faire. Oh, dis amen très fort là où tu es. Quand tu pries en langue, à un moment tu entres dans le langage angélique. Tu donnes aux anges des ordres et des instructions. Et je parlais aux esprits. Je parle aux anges. Un mois après, elle a conçu. Ils ont eu leur deuxième bébé. Aujourd'hui, je vais en esprit sur ton lit. Nous allons purifier et sanctifier ton lit au nom de Jésus. Une fois, j'étais invité à Brazzaville chez un homme qui perdait le 250 millions de dollars dans son coffre-fort de la maison. Hein? 250 millions de CFA. En francs congolais, c'est combien? J'annonce déjà que bientôt la MAPRE arrive à Brazzaville, au Congo. Tu n'as pas entendu? Dans quelques mois, on arrive à Brazzaville pour mettre le feu dans la ville. Il n'y a pas d'amen, hein? Dis à ton voisin, le temps de la conquête est arrivé. Cet esprit qui m'est lié à l'église locale m'a quitté, ça fait quelques semaines. Dis amen bien que je t'entende. Je suis allé dans cette maison. Dieu m'a dit, tu ne salues personne en chemin, personne en arrivant, et tu ne te laves pas, tu ne manges pas, tu ne parles pas. Bonjour prophète. Bienvenue prophète. Dis avec moi, deviens spirituel. Il y a des moments où tu ne dois pas serrer aux gens la main. Parce que si tu serres la main, tu dégages l'énergie, une partie de l'énergie que tu as menée à partir de ta maison. On dit amen bien. On a touché Jésus. Jésus a dit, une force m'a quitté. Écoute-moi, pour le problème que tu vas résoudre, il y a une quantité d'énergie que tu as. Le groupe électrogène peut alimenter toute la maison, selon les KVA. Quelqu'un m'entend? Quand le groupe électrogène est petit, il ne peut pas donner la puissance à toute la maison. On va vous dire quoi? Enlever le fer à repasser. Débrancher quoi? Le réchaud. Quoi encore? Parce que ces éléments-là bouffent plus d'énergie que prévu. Il y a des salutations qui bouffent plus d'énergie que prévu.
Oui. Tu as jeûné, tu as prié. Tu dois prier pour un cas de poliomyélite. L'esprit de poliomyélite n'est pas comme l'esprit de dysménorrhée. Les problèmes des règles douloureuses ou les règles qui sautent peuvent être résolus facilement. Mais l'esprit de poliomyélite qui touche les os, qui déforme les os, c'est un esprit plus puissant que l'esprit de maux de tête. Et pour les esprits, il faut une puissance qui est au niveau ou bien supérieure au niveau de ces esprits-là. Maintenant, quand tu es à la maison, toi tu salues les gens ici, tu touches là-bas, tu entres dans les taxis ici, tu touches les gens là-bas, toute ton énergie part en chemin. Et quand tu arrives là-bas, yolé là. Quand vous, vous. Onction sur ces silélio, bisima si mananzela. Toute l'onction est finie en route. Voilà pourquoi que Dieu nous donne des jets privés. Ozo kenekote au vanina bis, basi par karakio. Tu es assis dans le bus et puis on t'a déjà repéré. Benel Moller, Benel Moller, Benel Moller. Gembele kenda kenda pongebi. Onga binga nagan. Eh, poto poto la gare. On a Brazzaville. Tu entres là, tout ton. Voilà pourquoi il faut garder ton corps. Ton corps contient l'énergie spirituelle. Je parle à des hommes spirituels ici. Frère, j'ai pris l'eau et le sel. Non, l'eau, l'huile et l'huile. Le sel et de l'eau, de l'huile et du sel. J'ai donné aux gens, j'ai dit faites l'aspersion de la maison. Frère, il y a des prières, faut ça la peine encore. J'ai prenais de l'eau comme ça sur les enfants. Choix. Frère, il y a des gens qui croient seulement aux cérémonies. Ils ne croient pas aux prières. Hein? Une maman est venue voir un pasteur. Pasteur, j'ai mal à la tête. Moutoupassi, j'ai mal à la tête. Maman, va, ta foi t'a guéri. Ah, papa, c'est fini? J'ai toujours mal. Ah, maman, saute 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Tourne 7 fois. 1, 2, 3. Mousse la tête 3 fois. 1, 2, 3. Comment tu sens? Je suis guéri. Il y a un moment quand les gens ont une petite foi, il faut faire monter la voix avec des cérémonies. Mais tu as créé quelque chose qui n'existait pas. Tu enlèves tes souliers. Ah, ça va chauffer. Ouais. De l'eau. Ouais. Les papas disent, hey, Jésus. Quand on était à l'église catholique, nous le savons tous, quand le prêtre est jeté, nous tous là, on mettait la tête. Mon père, ayant kotoyo. Tu vois, c'est le niveau de la foi, n'est-ce pas? Tu vas prier chez des gens qui n'ont pas la foi. Papa, crée seulement des choses compliquées là-bas. Dieu me dit, je dois prier à minuit, habillé en blanc et prier sur la table. Oh! Mais je dois être seul au salon. Avec une bougie. Mais, sacerdoce. Surtout les autorités, ils ne croient pas aux prières. À Brazzaville, un peu superstitieux comme ça. Frère, je suis entré dans la chambre. J'ai vu le lit. Hé! Hey, plongeons! Sur le lit, wow! J'ai commencé à tourner sur le lit. Le papa dit, hé, Congolais, ça m'a ma tata. Ah non, ce Congolais est terrible. Est-ce que la porte des cieux est là? Il y a des fois, c'est Dieu qui te dit, des fois, toi-même, tu crées la cérémonie. Maman, oh, t'as l'été, maman, elle en a maille. Ah, maman, de l'eau. Dieu dit, amène-moi de l'eau. Mais seulement de l'eau Évian. Pas d'autre eau, Évian. Le prophète avait dit qu'on prenne seulement de l'eau Évian. Même sous souté, et aussi maté, caca Évian. Ça ne fera pas juste l'Évian. Dis avec moi power. Dis encore power. Dis bien power. Quand tu rentres à la maison, tu fais à la maison une cérémonie. Est-ce que les pères de famille sont là?
Papa il dit, tu entres dans la maison, dans ta chambre, tu portes ta toche d'avocat, tu te mets sous le lit, tu répètes 15 fois un psaume, avec les chaussures, sur le lit, tu enlèves les draps, tu enlèves les matelas, juste sur le bois. J'espère que ça m'a cassé. Dis avec moi, les prières dangereuses. Ah frère, il y a des choses qui partent seulement quand tu crées quelque chose. Maman, j'ai commencé à tourner sur le lit. J'ai sauté sur le lit. J'ai dit, l'esprit sort de ce miroir. J'ai pris les miroirs. J'ai cassé les miroirs. Oui, oui. Oh. On ne te croit pas parce que tu n'as pas l'esprit. Seigneur, nous sanctifions cette maison. Nous la remettons sous l'ombre de ta grâce. Nous prions pour les miroirs. Papa, on ne prie pas, on casse les miroirs. Je dois clôturer ici. Dis avec moi, les prières dangereuses. Ne dis à ton voisin, aujourd'hui, on va faire des prières dangereuses. Tu pries, ça passe. Tu es seul à la maison, ça passe pas. Tu enlèves la chemise. Tu enlèves les chaussures, tu marches à pied. Dis avec moi les prières dangereuses. Et tu sais quoi? Bizarrement, même si on rit, hein, ce que j'ai vu, c'est que des fois, quand tu fais ces choses, l'onction suit aussi le mouvement de ce que tu as fait. Dieu honore aussi l'acte que tu as posé. Et Dieu honore ta foi. Un miracle se passe aussi. Et avec moi, il y a quelque chose sur mon lit. La plupart des personnes qui ont des femmes et des maris de nuit, ces esprits sont attachés à vos lits. Mais ce soir, nous libérons vos couches et vos lits au nom de Jésus. Amen. Dis amen bien. Amen. On a pris cet enfant, on l'a mis sur le lit du prophète. Parce que là où le prophète dort, là où la chaleur du prophète est, là où la sueur du prophète est, là où l'odeur de quelqu'un est, il y a quelque chose de son onction qui reste là. Christian, il est où? Mac. On était à l'hôtel Pullman avec le pasteur Daniel. Tu étais là aussi? Avec l'archibishop Duncan Williams. C'était toi, il a proposé pour toi, non? Une prophétie sort. Plusieurs pasteurs du Congo étaient là, à l'hôtel Pullman. Qui avait appris cette histoire? L'archibishop Duncan Williams vient et l'un de ses prophètes vient. Il dit, il y a quelqu'un ici qui s'appelle Maki. Moi, je dis, je le connais, c'est mon pied. Il dit, oui. Il y a un esprit qui voulait le tuer, ça fait 3 jours. Il devait mourir. C'était vrai parce que j'étais avec lui. On était dans la famille présidentielle à Brazzaville. Et là où Christian dormait, il y a 2 hommes qui étaient venus le prendre la nuit. Mais il a dit à ces hommes, vous n'allez pas m'avoir parce que le général dort à côté ici. Moi, je dormais dans la chambre à côté. Dis avec moi, power. Ce qu'il a dit était vrai. Et il dit, cet homme-là doit mourir dans... Il avait dit, dans quelques minutes, là, cet homme doit mourir, appelez-le. Il s'appelle Christian, on dit oui. Pasteur Daniel appelle Christian. Christian, tu es où? Oh, je suis à la résidence de papa. Il dit, Christian, que Nathan Ambetou... Va même sur le lit. Il y a Daddy. De Daddy. C'est toi qui l'avais dit ou c'est lui qui l'avait fait? Tu l'avais dit quoi? Viens. Dis avec moi, il y a quelque chose sur mon lit. Il y a quelque chose sur mon lit. J'ai demandé à Christian, j'ai dit, où est-ce que tu es? Il m'a dit que je suis chez Daddy. J'ai dit, va dans la chambre de Daddy, dors sur le lit. Même si la mort vient te chercher, ça te trouve sur le lit de Daddy. Ah. Dis avec moi, le mystère du lit. Encore. Plus fort. Christian, tu as dormi sur mon lit ou bien tu avais peur? Christian est trop respectueux. Azan là-bas. Lusitou est qui? Oh là là qui? Christian, viens. Acclamez pour Christian, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. T'es en Zala célibataire aux Okima. Lélo, comment t'as moulé? Quand tu étais célibataire, tu courais aujourd'hui. C'était comment? Je suis entré dans votre chambre, puis j'ai pris votre couverture, je me suis enroulé avec.
Il a dit, la mort vient me chercher. Pardon, que ça me trouve sur le lit de mon père spirituel. À partir d'aujourd'hui, ton lit sera un lieu de solution. Nous maudissons les disputes sur ton lit. Nous maudissons les incompréhensions sur le lit. Nous maudissons les séparations de corps sur le lit. Nous maudissons l'impuissance sexuelle sur le lit. Nous maudissons, imaginez un ex quand tu couches avec ton mari sur le lit. Nous maudissons les femmes et les maris de nuit sur le lit. Au nom de... Que le lit conjugal soit honoré de tous. Le mari soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Je termine ici. Lévitique 15, verset 20. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Ici, c'était par rapport aux Juifs. Une femme qui avait ses menstruations était impure. Si elle dort sur un lit parce qu'elle est impure, le lit devient impur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais toute personne impure qui dort sur ton lit rend impur ton lit. Hein? Tu n'as pas dit amen. Toute personne impure qui dort sur ton lit rend impur ton lit. Une femme m'a dit, papa, je ne sais pas, je reviens du voyage. J'ai dormi sur le lit de mon mari. J'ai senti que quelqu'un d'autre avait dormi ici. Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas d'éléments. Ce n'est même pas la jalousie. Mais je sens moi-même dans l'atmosphère qu'il y a, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est ici qui ne peut pas censé être ici. Le lit est un lieu spirituel. Parce que près de la moitié des enfants que nous avons dans le cadre des couples se conçoivent sur un lit. Dis avec moi, j'entre dans ma chambre. Je purifie ma chambre. Je purifie mon lit. Car ma chambre est le centre de commandement de ma maison. De là, je vais faire des prières dangereuses. De là, je vais faire des prières imprécatoires. Dis amen très fort que je t'entende. Amen. Alors ce soir on est ici, mais spirituellement on va aller dans nos... On va monter sur nos... Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je parle comme un pentecôtiste ou comme un homme spirituel? Les deux? Je passais à la télé, je disais à quelqu'un, moi je peux être ici, mais en esprit je vais au Burundi. On a dit, hé, le prophète Joël est capable d'être ici et d'aller au Burundi sans utiliser l'avion. On m'a attaqué, on m'a critiqué. J'ai dit à quelqu'un, mais quand vous priez, vous dites, au nom de Jésus, je vais sous l'eau, je vais récupérer les mariages. Tu es allé sous l'eau comment? Boma boma. Naloba. Napanza. Nafungola. Est-ce que je dis la vérité? Je vais dans les villages, dans la forêt, sous l'arbre, j'arrache. Maintenant, toi, tu fais ça tous les jours, mais tu me condamnes d'être allé au Burundi sans avion. Toi et moi, on est des sorciers. Le christianisme est l'histoire des hommes et des femmes spirituelles. La distance n'est pas une barrière. On n'est pas lié par le temps chronos. On est lié par le temps qu'il y a dans le monde des esprits. Est-ce que tu peux t'élever? On va prier. Est-ce que tu es prêt? Acclame d'abord très fort là où tu es. Là où tu es, bouge. Fais des mouvements là où tu es. Bouge d'abord, sans déranger, bouge. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je te donne 30 secondes. Plie tes affaires, ton sac. Voilà. Mets tes affaires en ordre. Parce qu'on va entrer dans les choses sérieuses maintenant. Vous êtes à la maison et sur Internet, soyez connectés. Soyez prêts parce que nous allons entrer dans le poste de commandement de nos maisons. Et de là, nous allons libérer des décrets. Les ennemis de ta maison, de ta famille, sont en train de tomber ce soir. Parce que dans le centre de commandement, vous vous rappelez de cette histoire? Cet homme disait, mais le prophète Élisée,
il voit ce que tu décides dans ta chambre à coucher. Donc ce qu'on décidait sur l'armée et sur la nation, le roi le décidait dans sa chambre. Oui, oui. Les grandes décisions de la vie se prennent dans la chambre. Même par rapport à la nation, ça se décide dans la chambre. Dis avec moi, avance, prophète. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Acclame pour la dernière fois. En esprit, aujourd'hui, tu iras dans ta maison. Tu iras dans ton bureau. Est-ce que tu es prêt? Acclame une fois. Deux fois. Trois fois. Pasteur Daniel, viens. Tu vas nous donner trois points de prière. On va prier, prier. Je veux que tu pries. Et quand tu vas prier, les choses vont commencer à se libérer. Vous allez sortir des rangées. Il y a beaucoup d'espace ici. Je veux que tu pries. On est dans les prières dangereuses. Si tu as emmené quelque chose, utilise ça. Si tu vas prier sur la chaise, prends la position qui te plaît, mais ne sois pas assis ni allongé. On est en train d'attaquer l'ennemi. Et crois-moi, toutes les prières que tu vas faire vont avoir des effets avant 48 heures. Il n'y a pas d'amen ici. Je te parle comme ton prophète. Toutes les prières que tu vas faire ici auront des résultats d'ici 48 heures. Est-ce que tu es prêt? Acclame très fort, on va prier. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Acclame une fois. Acclame deux fois. Acclame trois fois. Lève ta main droite, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes anges. Que tes anges. Que tes anges. Que tes anges. Commence à sonner la trompette. Commence à sonner la trompette. Des guerres contre mes ennemis. Des guerres contre mes ennemis. Que tes anges. Que tes anges. Sonne la trompette. Sonne la trompette. De la guerre contre mes ennemis. De la guerre contre mes ennemis. À partir de ma chambre. À partir de ma commence chambre. Commence à battre les mains. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Baba. Zaou dégâts. Quel yaman de la basse. Quel yaman. Tous les paris amadés, les cadeaux italava, Eri Amadabasa, Rokan Perida Dazu, Rite Shabazu, Kaine Badabasi Telebege, tout te paradega, tout te paradega, tout te ve, Keria pa, Tazu Teleba, Kelupa dege, et Telebeshi, Viriamade, 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 et Talaba, Baba, 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 Retala Madelega, Toria Madabasite, Veria Cantalabade, Reparia Madabasi, Ricontaria Madeshe, Retalamade, who fight again, 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 Sons of the God, Radia Madabashe, Ecantalababa, Loki Bebasite, Lebega, Loki Via Tarasite, Loche, Reparia de Sute, Ina Madabasita. Lotaya Batuze, Itele Belozuze, Rapayaba, 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 Eketelebo, Yataria Manebe, Italia Manababa, Etelebo, Santana Madega, Ekayaba, Etelebaba, 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 Yeriaka, 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 Siva de Deus, Akaya, Sakaya, 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 Sakapaya, 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 Sakapaya,
Jésus. Acclame une fois, acclame deux fois, acclame trois fois. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Tout vent contraire. Tout vent contraire. Tout vent contraire. Tout vent contraire. Souffle contre mon destin. Souffle contre mon destin. À partir de ma chambre. À partir de ma chambre. Et paralysé. Et paralysé. Par le tourbillon de Dieu. Par le tourbillon de Dieu. Au nom de Jésus. Dans les mains, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Les prières de hausse. Allez pas. Il paradait. Les maris à sauter. Paralysé. 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 Lori de Batsai. 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 Lori de À partir de ta chambre, tourbillon, qui souffre, à partir de ma chambre, à partir de ta chambre, tourbillon, ta vie, tourbillon, contre ton destin, que le tourbillon de Dieu, la chasse, le chaparaya, Ereba, Ereba, il m'a la 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 sauté, il parle la 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 et par la 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 choua, il radé par la ya, paralysé, paralysé. Paralysé, 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 tourbillon, à partir de ma chambre, à partir de ma chambre, arabato, arabato, les paris des pailles, au sopla, à la baya, à la baya, au rabaya, je paralyse, à partir de ma chambre, Eli Abatsota, et les balabaya, à Paris à ma sauté, il à Paris des Bassons, et Paris des Parailles, à Ratocha, et là, et là, et Bababa, et Bababa, et Bababaya, et Parabaya, ou Papabaya, et Sapabaya, à Leba, et Maya, et Saya, Lepaya, Lupaya, je paralyse, tout bien, tout bien, tout bien, tout bien. Aya, olé pas, iraya, olé pas, allez peleso, allez pele peleso, Ari Abassos, à Paris de Palolai, eh baya, le paya, au sapa, eh paya, paralysé, 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 nous parlons péta. Au rapide ça, le piratoche, j'ai parlé des choses, j'ai la bianale, et rabote pas, allez pas, allez pas, et reta, à la baya, à paya, ou chabaya, et rapaya, et maripara, au nom de Jésus, allez péra, aura, ura, aura, ura, et aya, le rabaya, le parabaya, y parabaya, le Shababaya, le Parabaya, au Sambalayada, à la Baya, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur une fois, acclame le Seigneur deux fois, acclame le Seigneur trois fois. Fais trois pas devant. Shabbat. Dis, mon père, mon père, chaque malédiction prononcée. Nayoko bien dit, mon père, mon père, chaque malédiction prononcée sur ma vie, sur ma vie, à partir du lieu de ma naissance, à partir du lieu de ma naissance, sur les hôtels de ma famille, sur les hôtels de ma famille, qui me localise dans ma chambre, qui me localise dans ma chambre, aujourd'hui, aujourd'hui, cela est brisé, cela est brisé, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, et bien nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ. Le feu, le feu, je paralyse par le feu, je paralyse par le feu, je paralyse,
Du vent, tout esprit, qui est là pour me localiser. Les esprits qui me localisent à partir de ma chambre. Les esprits qui me localisent à partir de ma chambre. Aujourd'hui, c'est paralysé. Lève ta voix, lève ta voix. Acclame une fois, acclame deux fois, acclame trois fois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Dis l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Lève-toi. Lève-toi. Arrête. Arrête. Chaque personne. Qui entre dans ma chambre. Spirituellement. Spirituellement. Sans mon autorisation. Ce soir. Au nom de Jésus. Pas les mains, nous sommes en train de prier au nom de Jésus. C'est dans ta chambre que tu as des visions. Yes. C'est dans ta chambre que tu as des révélations. Yes. C'est dans ta chambre que Dieu te donne des inspirations. Amen. Ta chambre est un lieu spirituel. Toute personne qui entre dans ta chambre, yes, sans ton autorisation, soit brûlée ce soir. Amen. Toute
personne qui entre dans ta chambre, mais par le canal de tes rêves. Yes. Qu'elle meure dans ton rêve au nom de Jésus. Amen. Toute personne qui entre dans ta chambre, yes, par la voix d'un cafard, yes, par la voix d'une souris, yes, par la voix d'une moustique, yes, par la voix d'une mousse, yes, qu'elle soit brûlée au nom de Jésus. Les parasokaba, liparekamazobaya. Amen. Ta chambre est libérée. Amen. La chambre de tes enfants est libérée. Amen. La chambre de tes enfants est libérée. Amen. Baissez les mains. Qui a déjà rêvé ici, quelqu'un entre dans sa chambre et puis il a arrêté. Vous avez rêvé que vous avez arrêté un voleur la nuit. Ces rêves-là sont des puissants rêves. Quand vous rêvez que vous avez arrêté un voleur qui est entré à la maison, c'est une très grande victoire. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Ce soir, on arrête un voleur. Amen. Toute personne qui entre par la porte spirituelle, par la fenêtre spirituelle, yes, où il est entré camouflé par quelqu'un qui nous a visité à la maison, yes, la personne est partie, mais l'esprit est resté. Yes. Nous prenons des balais spirituels. Commence à balayer ta maison. Ah. Commence à balayer votre parcelle. Je balaye. Allez, commence à bouger. Je balaye ma maison. Tous les gestes comptent. Je balaye ma chambre. Tous les gestes comptent. Je balaye le couloir. Je balaye. Je vais donner une instruction prophétique. Yes. C'est un risque que je prends, mais je vais donner cela. Yes. Toute personne qui sent qu'il y a un mouvement bizarre par les insectes dans sa maison, il est où? Lève la main. Je ne dis pas de soupçonner ou d'avoir une peur inutile. Tu sais vraiment qu'il y a, même dans les rêves, tu as vu ça. Tu sens qu'il y a un mouvement bizarre qui se fait par les bestioles, les animaux ou les insectes dans ta maison. Lève la main. Tu vas prendre l'insecticide. Tu m'entends? L'insecticide. Si c'est pour tout ce qui est comme... tout ce que tu utilises. Insecticide, si c'est de l'eau. Si c'est même ce qu'on utilise pour les cafards. Tu prends ça. Et tu vas prier sur ça. Ce n'est qu'un point de contact. Tu vas prier le psaume 90 quatre fois. 4, c'est le chiffre des quatre coins cardinaux. Pour toute la maison, les quatre coins, tu vas répéter le psaume 91. 91, hein? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vas prier ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au nom de Jésus, sept fois. Quand tu finis, tu appliques cela. Je te dis le lendemain. Tu vas donner un témoignage. Tu sais la protection divine dans votre maison. Toute attaque diabolique par les bestioles, par les animaux, yes, va être calcinée au nom de Jésus. Amen. Tu sais quoi? Pendant que tu priais ici, je voyais les chaînes se briser. Amen. Je voyais des anges entrer dans les maisons et enlever les toiles d'araignée. Enlever les toiles d'araignée. Enlever les toiles d'araignée. Est-ce que tu crois que la victoire est entrée? Amen. Est-ce que tu crois? Yes. Dis avec moi, j'entre dans ma chambre. J'entre dans ma chambre. Je bénis ma chambre. Je bénis ma chambre. Je sanctifie ma chambre. Je sanctifie ma chambre. Et je déclare. Et je déclare. Que le ciel est ouvert. Que le ciel est ouvert. Au-dessus de ma chambre. Au-dessus de ma chambre. Au nom de Jésus. Exaucé, viens. On va libérer quelque chose dans l'atmosphère ici. Yes. Commence à acclamer là où tu es. Commence à acclamer là où tu es. Alors, dans Wabika, moi,
et s'il y a nous théo. Yes. Tangwa bika moi. Et s'il y a nous théo. Est-ce que tu peux chanter? Oh tangwa bika moi. Et s'il y a nous théo. Ah tangwa bika moi. Et s'il y a nous théo. Ah oh ya lo baka go kita le lo. Ah s'il y a nous théo. Yele le. Aya esilina nute, ah oya lo ba kya go kita lelo asila. Bina dansa balongi bina na yo bina no bina na yo bina Ya 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 ya
ngae Alo bina ngae Lolo eko beba Hosanna Hosanna ni mambo Alleluia Hosanna Hosanna ni mambo Hosanna ni mambo Ufaya baba Alleluia Hosanna Ongana alali na butu Ajabi melingae Alo bina ngae Lolo eko beba Hosanna Hosanna ni mambo Hosanna, Hosanna ni mambo. Alleluia, Hosanna. Pasola talola, babeli babi. Yaya pasola talola, bika mwe salema. Hosanna, Hosanna ni mambo. Alleluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alleluia, Hosanna. Sois debout avec moi, lève les mains. Que Dieu exauce tes prières au nom de Jésus. Toutes les paroles que tu as libérées ce soir auront des effets en moins de 48 heures. Tes ennemis, tu les verras et tu les verras tomber devant toi. En moins de 48 heures, je parle comme père et prophète en ces lieux. Pour ceux qui sont ici et même en direct, dans les 48 prochaines heures, dans les deux jours qui viennent, de tes yeux tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Je te couvre dans le sang de Jésus. Je couvre tes enfants dans le sang de Jésus.
Je couvre ta maison dans le sang de Jésus. Et je couvre ta chambre dans le sang de Jésus. Laisse que le jour et la nuit, ta chambre soit protégée. Et que ta chambre soit un lieu de paix. Un lieu de conciliation. Un lieu de révélation. Un lieu de rafraîchissement. De renouvellement pour la nouvelle journée. Que ta chambre soit bénie. Ainsi que ta maison. Et tous les ennemis visibles ou invisibles de ta maison. Les ennemis humains ou animaux de ta maison viennent d'être vaincus ce soir au nom de Jésus. Dans les 48 heures, tu verras le pouvoir imprécatoire. La vengeance de l'Éternel sur tes adversaires. Shalom, shalom, shalom chez toi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Acclame très fort là où tu es. Acclame très fort.